Dites-moi que c'est un cauchemar, les gars! Dites-moi que c'est un mauvais rêve! J'arrive pas à y croire! L'Algérie est éliminée! C'est plus les Algériens! C'est les Aljouriens! Ou l'Anjouriens, c'est fini! C'est cuit! Pourquoi? C'est tellement injuste! C'est tellement dégueulasse! Bande d'incapables! Bande de lâches! C'était plus les Algériens! C'était les Galériens! Bande de sales Galériens nuls! Et nuls, nuls, nuls! Et one! Et two! Et three! On rentre en Algérie, bordel de merde! Nuls! Et nuls! C'est pas possible, là. La vie de ma mère, j'y crois pas. On est éliminés. Éliminés, bordel de merde. On finit les poules avec seulement 2 points. On a 2 points au classement. Même le slogan de l'Algérie, il a plus de points que l'Algérie. One, two, three. Là, c'est one, two, tu fuis, ça y est. C'est fini, c'est terminé. Vous êtes la honte du pays. Vous avez fait honte au maillot. Vous faites honte au drapeau. Les joueurs de l'Algérie, vous avez enlevé la seule chose qui restait au peuple algérien. La seule chose qui nous restait, c'est la fierté. Et on l'a plus à cause de vous, bande de sale merde. Bande de nuls. Voilà, c'est incroyable. Les verts, les salades vertes, c'était plus les Algériens, c'était les végétariens au bout d'un moment. On n'a rien fait sur le terrain. On aurait dû gérer le match. Mais c'est les Algériens. On n'a rien géré. On a perdu contre la Mauritanie, contre les Marabitounes. Sérieusement, les gars, les Marabitounes. Mais c'est grave. Oh là, c'est grave de perdre contre les Marabitounes. C'est grave. La Mauritanie, ils ont gagné contre l'Algérie. C'est leur première victoire de toute leur histoire à la CAN. Et il fallait que ça tombe sur nous. Et vous allez voir que la Mauritanie, ils ont fait leur première victoire face à l'Algérie. Et ça va être leur dernière victoire, les gars. Ils vont gagner un match dans notre histoire. Et c'est contre nous. Le joueur de la Mauritanie, le buteur, c'est le premier but de toute sa vie avec la Mauritanie. Mais les gars, c'est incroyable. On ne peut pas être nul à ce point. Le joueur, ça fait 10 ans qu'il joue à la Mauritanie. Il n'a jamais marqué. Là, en 10 minutes, il marque un but. Oh là, c'est incroyable. J'arrive pas à y croire, bordel. Cette équipe de merde. Oh là, qu'il faut en parler. Il y a plein de choses à dire. Jamel Belmadi. C'est Jamel perd le mardi. Oh là, tu as perdu. Sale nul. C'est plus Jamel, c'est Zemel. Espèce de grosse Zemel. Espèce de hmal. Jamel Balerji. Oh là, sale sgeg. On t'a dit de faire du changement. On t'a juste demandé d'enlever Riyad Mahrez. Le mec, il a changé toute l'équipe, Belmadi, les gars. Oh, il a fait une nouvelle compo. Dans l'équipe, il y avait DJ Snake. Il y avait Soul King. Oh là, les gars, c'est abusé. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Belmadi? Oh là, Javel, Belmadi, il faut nettoyer l'équipe à la Javel. Et on va commencer par toi, Belmadi. Parce que là, tu en payes les frais. Tu as voulu protéger et surprotéger Riyad Mahrez. Aujourd'hui, ça va te coûter ta place d'entraîneur. Ça va te coûter très cher, Belmadi. Le mec, au bout d'un moment, oh, t'es là en conférence de presse, tu dis à Belmadi, c'est quoi ta stratégie pour demain? On va gagner, Inch'Allah. Ouais, mais t'as prévu des changements dans l'équipe? On va gagner, Inch'Allah. Mais ta grand-mère, Belmadi, tu veux gagner comment? Avec un entraîneur comme ça, le pire entraîneur de l'histoire, le Raymond Domenech algérien. Oh là, t'as eu un coup de bol avec la CAN. Sur la vie de ma mère, c'est vrai. Oh, Jamel Belmadi, qui te fait re-rentrer Riyad Mahrez, Riyad Merguez. C'est plus Mahrez, c'est Machaise. Il faut le laisser sur une chaise. C'est plus Riyad Mahrez, c'est Riyad Mernez. T'es Mernez, t'es dégueulasse, t'es sale, t'es nul, t'es faible, t'es maladroit, t'arrives plus à dribbler, t'es lent. T'es une merde, Mahrez! T'es une merde!
Sale traître, sale nul. Sale nul, Marez. Et tu oses faire des déclarations. Ouais, je vais marquer au prochain match. T'aurais dû dire, je vais marcher au prochain match. Voilà. Toi, tu vas marquer, sale grosse merde. Et Marez, je vais marquer au prochain match. Ouais, tu vas marcher au prochain match. Après, il a dit quoi? Ouais, c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs. Mais même dans les petits matchs, on t'a pas vu. Face au Marabitoun, face aux étalons, aux pantalons, Burkina Facile. Nul à chier. Pourtant, à Manchester City, tu donnais ton cul. Il fait partie des joueurs qui donnent son fiac en Europe. Et c'est la vérité. Et voilà qu'il voulait rentrer de la CAN. Il n'est pas bien en Côte d'Ivoire. C'est devenu un petit bourgeois, Riyad Mahrez. Il est pressé de retrouver sa meuf. Faut dire la vérité. Il a peur que sa meuf le trompe. C'est pour ça qu'il fait semblant d'être éliminé. Sale merde. Sale nul. Riyad Mahrez. Inch'Allah, ta femme, elle te quitte pour Bounedja. Sola, la vie de ma mère, c'est tout ce que tu mérites. Oh là, elle va se taper Bounedja, tu vas voir. T'es nul à chier, t'as pas envie. T'arrives pas à faire un drip, j'ai jamais vu ça. Oh, les mecs qui sont là, les hommes, avec des crampons rose bonbon, mais ta grand-mère, au bout d'un moment, tu peux pas mettre des crampons militaires, des prédateurs, je sais pas moi. Sois humble un peu, Marez. Oh là, t'es devenu nul à chier. Il n'y a plus rien à faire avec toi. Et c'était ton dernier match de la CAN. Et voilà le souvenir qu'on va avoir de toi, Marez. Avec tout ce que tu as apporté à l'Algérie, on va se rappeler que ta dernière CAN, c'est la CAN de trop pour Marez. C'est la CAN de trop pour Belmadji. Avec la CAN, nous on CAN. On n'en peut plus. Et ils sont bons à rien, ces joueurs. Les Algériens, les Albons à rien. Voilà, vous êtes nuls. Vous n'avez pas été à la hauteur, et c'est la vérité. À la honteur, vous avez été. Au bout d'un moment, oh, t'as des Belmadji, voilà, des Aouar. Qu'est-ce qu'il veut Aouar? Pourquoi on l'a récupéré? Aouar, le chat noir, il a bien attendu que l'Algérie gagne des compétitions pour revenir ce suceur. Allez vous faire voir! Allez vous faire voir, bande de merde! Je vous déteste! J'ai la haine contre vous, je vous en veux! Voilà que je vous en veux. C'est incroyable, les gars. Palmarès de la Mauritanie. On a battu l'Algérie. Oh, le gardien de la Mauritanie, il a joué sa vie. Voilà que ce soir, c'était Neuer. Et les joueurs de l'Algérie, ils étaient ailleurs. Il faut le dire. Tous les joueurs de l'Algérie, des patrons de Hanout, des vendeurs de chemin, des vendeurs de Delech. Vous n'avez pas le niveau pour jouer dans l'équipe. Et je vous dis la vérité. Oh, voilà les gars. Et cette putain de VAR. L'arbitre, il nous a baisé, mais pas que. Voilà, c'est pas l'arbitre le problème, c'est nous, on est nuls. Et il faut le dire, les gars. Après, ce qu'on nous, on reproche à l'arbitre, c'est pas de siffler les pénaltys, mais c'est de jamais vérifier s'il y a pénalty pour l'Algérie. Il n'y a que l'Algérie qui n'a pas le droit à la VAR. Voilà, les gars. Les arbitres, ils sont avares avec la VAR. Faut dire la vérité. Vos grands-mères qui habitent dans le VAR. Voilà. Et moi, j'ai un message pour la VAR. VAR te faire foutre. Voilà. Allez vous faire foutre. VAR bien te faire foutre. Espèce de VAR de merde. Quand il y a la VAR, j'ai la varicelle. C'est jamais pour nous. Et voilà, on s'est incliné à cause des joueurs, les gars. Des mecs comme Marez. Moi, je le soupçonne, Marez, d'être un espion qui a été envoyé par le Maroc pour couler l'Algérie. C'est la seule solution que je vois, les gars, à son niveau dégueulasse. À part ça, je comprends pas. En plus, j'apprends que Marez, il est à moitié marocain. Tout s'explique, les gars. Voilà que c'est un agent double, Marez. La vie de ma mère, c'est un espion infiltré. Il faut le dire. Oh, et ces joueurs de merde, bande de bâtards. Eh, l'Algérie, la bergerie, bande de merza. Voilà, des merda, des merza, vous êtes. Vous, c'est pas l'Algérie, c'est la gendarmerie. Votre place, elle est au Heps. Voilà, tu mérites de la prison pour ça. Oh, vous méritez de la tôle, d'échéance de nationalité. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus des Algériens, vous êtes
des Norvégiens, hein, les Algériens, ils sont bons qu'à une seule chose, à faire le cooling break. Mais vos grand-mères, les cooling break, qui écoutent Cool and the Dance, cool and the Dance, oh là les gars, oh, c'est un truc de malade. Toutes les 3 minutes, on n'a pas fait le break, mais on fait des cooling break, les gars. Le pays, il est en train de couler, et nous, on fait des cooling break. Oh là, c'est incroyable, c'est plus la canne, c'est la jerricane. Ils passent leur temps à boire de l'eau, mais de l'eau, c'est la vie de ma mère. Aujourd'hui, la seule chose que vous allez boire, les joueurs algériens, c'est les larmes du peuple algérien. Ce peuple qui n'a rien, qui avait une seule chose, la fierté, la dignité et l'honneur. Et aujourd'hui, ils l'ont plus. Faut dire la vérité, les gars. Oh, le gardien de l'Algérie, qu'est-ce qui me manque, Mboli. Voilà, Mboli me manque trop. Oh, des joueurs, les gars, c'est qui? C'est Ounas, espèce de Kounas. Voilà que t'es nul à chier. T'as pas été à la hauteur. Oh, Badawi, Boudawi, espèce de gros boudin. Boudawi, c'est pas de Cléoui. T'as pas perdu tes couilles sur ce match. Bounedja, espèce de vendeur de chemin, vendeur de nerner, patron de Hanout qui me dégoûte. Bounedja, t'as fait deux bons matchs. Ça y est, c'est fini. Voilà, les gars, on rentre. L'Alger rentre, les gars. La tête de ma mère, c'est incroyable. Voilà, il n'y a pas qu'au Qatar qu'on a vu des stades climatisés. Les stades de Côte d'Ivoire sont climatisés aussi. Oh, le joueur de Marabitoun, le joueur de la Mauritanie, le mec, c'est Hacham. C'est plus Hacham, c'est Hachoum. Les joueurs, on est enrhumés. On est tombés malades. Tellement on s'est pris un coup de froid. Tellement on s'est pris un coup de clim. J'ai pas peur de le dire. Belmadji, démission. Voilà, Riyad Mahrez, démission. On veut plus de vous. On veut Zinedine Zidane, entraîneur de l'Algérie. C'est ça ou rien, la vie de ma mère. Bande de Kelb avec les Bentaleb. Bande de Michel Leb, vous êtes la honte nationale.